les rebelles ne sont pas une chorale. C'est simplement un groupe de chants militants féministes. Et justement, nous sommes très heureuses d'être ici avec vous parce qu'il nous semble que les chansons que nous allons vous présenter et les thèmes que nous évoquons rejoignent un peu vos journées sur les luttes sociales et l'écologie. Alors, vous allez voir que les luttes sociales, nos chansons présentent plusieurs femmes depuis le début du XIXe siècle jusqu'à des luttes plus récentes et pour les luttes sociales. Pour l'écologie, nous n'avons pas encore de chansons sur l'écologie, mais on va dire l'écologie en général, mais pour deux raisons, nous ferons peut-être une chanson en particulier sur Françoise Daubonne, que vous connaissez peut-être, qui est une pionnière dans ce domaine et qui, depuis 1974, a écrit Le féminisme ou la mort, en disant bien les hommes ont souvent traité la nature comme ils traitaient les femmes. Et d'autre part, nous nous sommes créés il y a 20 ans, les 20 ans que nous chantons, et dans le sillage de la marche mondiale des femmes contre les violences et la pauvreté. Et dans le cadre aussi des forums sociaux internationaux, c'est-à-dire que la réflexion sur le changement climatique, la souveraineté alimentaire, nous étions les unes ou les autres d'une manière ou d'une autre, parce que le groupe est très fluctuant, dans aussi cette réflexion. Alors, nos chansons sont reprises de chansons parfois très anciennes, de chansons qui ont été écrites par le mouvement de libération des femmes dans les années 70, et puis, et nous en avons une quarantaine à nos pratiques, de chansons que nous écrivons sur des airs plus ou moins connus, que nous détournons souvent. Et parmi ces chansons, nous avons des chansons qui vont rejoindre, c'est ce que nous avons choisi un peu, vos thèmes. Alors, comme nous sommes militantes d'abord, nous chantons dans les rues, sur les places, dans les marchés. Et quand on nous invite aussi bien au théâtre que dans les universités, nous avons déjà eu ce plaisir de chanter, pas ici, mais dans d'autres universités et même jusqu'au Luxembourg. Voilà. Donc, nous allons, vous savez, comme tous les groupes engagés, nous avons un hymne, et cet hymne, qu'on appelle des femmes, peut-être l'avez-vous déjà entendu, il a été écrit par un des groupes du MLF en mars 1971, parce qu'on fêtait déjà le centenaire de la Commune et on ne parlait pas beaucoup des femmes. Donc, elle a écrit la chanson qui s'appelle en français et nos amis, dont certains. Vous allez chanter avec nous, bien sûr. Voilà. Et cette chanson, elle a été écrite pour un rassemblement à Issy-les-Moulineaux où les femmes de la Commune en 1871 avaient beaucoup défendu le lieu. Et donc, cette chanson, nous vous demandons effectivement, par exemple, de la chanter avec nous, puisque nous avons choisi pour diffuser les idées féministes de toujours faire chanter le public avec nous. Donc, l'hymne des femmes, il est écrit sur, puisque c'est le système du corps, on utilise des airs déjà. Donc, les amis du MLF, sans savoir exactement ce qu'était ce chant, ont choisi le chant des déportés, le chant du Marais, écrit par, vous savez sans doute, par deux prisonniers déjà dans le camp algérien en 1933. Et parce que même à l'encontre, comme ce chant avait été beaucoup diffusé par les brigades internationales et d'autres groupes, elle l'avait entendu, mais elle savait sans savoir exactement l'origine que ce chant est un chant de révolte et un chant pour lutter contre le totalitarisme. Et on peut considérer que patriarcat en même temps. Donc l'hymne des femmes. Thank you.
Merci à vous. Merci de nous accueillir comme ça. On continue parce que vous avez sûrement beaucoup de choses à faire après.